Yo les Asquas, Asquakini, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival en mode primitif plus. Alors qu'est-ce que c'est le primitif plus? C'est à dire qu'il y a des objets en plus que dans le jeu normal. Je vous avais fait déjà deux vidéos dessus, mais on peut dire que c'était de la merde. Et du coup là j'espère que ça va être beaucoup mieux. Du coup je vais lancer une série et je vais vous expliquer pourquoi je fais plus du tout de vidéos sur The Forest. Tout simplement parce que The Forest a bugué sur mon ordinateur, du coup je peux plus du tout faire de let's play dessus. Et ça me saoule, voilà. Et j'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va essayer de se faire le but de la vidéo d'aujourd'hui. Sur Ark, on va essayer de faire une petite maison. Tranquille. En ce moment, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de dinosaures, mais si, en fait, il y en a. On va casser ça. Ça me donne des branches. Est-ce que je peux crafter quelque chose? Alors ça c'est moi. Est-ce que je peux... Il me faut encore deux branches. Ok. Encore un s'il te plaît. Non, ça c'est un bout de bois, merci. Comme ça je peux faire la petite pioche. Ça va m'éviter de... gaspiller ma vie pour rien. Et en même temps je pourrais tuer. Donc en gros, Ark Survival c'est un jeu de dinosaures tout simplement. T'es... Au mode des dinosaures quoi. Je sais pas comment bien vous expliquer. Ah bah, j'ai augmenté d'un niveau, ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi je peux pas le mettre? Ok, c'est bon. Voilà. Allons, casse. Voilà, c'est nickel. Je peux récupérer. Ah ouais, faut que je récupère ça à la main. Voilà, une pierre. Et bien sûr, il y a des dinosaures gentils et dinosaures méchants. Enfin, il n'y a pas de gentils et de méchants, ils sont tous méchants. Parce que dès qu'on les attaque, bah, c'est fini pour tout. What? C'est moi ou la tortue elle s'est enfoncée dans le sol. Bon, on va s'en passer. Allez, on va casser ça. Ah oui. Alors pour les niveaux, ça je crois que c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas y joué. Ah ouais, c'est ça, ok. Non mais Ah oui. C'est comme ça, ok. Attends, du coup je vais augmenter le poids. Voilà, du coup là je peux acheter, pas acheter, mais apprendre un feu de camp. Donc je vais apprendre le feu de camp en priorité, plus la hache en pierre, parce que la lance en bois j'ai la pioche quoi. Juste à vous dire que ça me suffit quoi. Voilà. Et du coup au fur et à mesure du temps, je vais apprendre des nouvelles choses et c'est grâce à ça que je vais pouvoir construire la maison. Ok, tac, je prends vite fait de la fibre. Wow. Il était violent. En tout cas, on l'a bien entendu. Voilà. Excusez-moi pour les bruits de manette aussi. J'ai pas du tout exprès. Ok. Celui-là. Voilà, je pense que j'en ai assez de fibres. Je récupère tout ce que je peux prendre. Voilà. Ça y est, normalement, ça a sauvegardé. Ça a sauvegardé. C'est toujours lent. Mais bon, on va éviter que ça soit trop rapide non plus. Voilà. On casse tout ce que je peux casser. Ah, ça c'est une tortue, ok. C'est un carbonisme. Carbo, je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. On va crafter déjà les notes, ça me sert à rien. Une torche. Ah, il me faut du silex. Ah ouais, bah ouais, ok. C'est avec ça. Voilà, logiquement c'est avec ça. Si j'ai pas de conneries, je peux récupérer de la pierre et du silex. Voilà. L'idéal, ce serait d'avoir beaucoup de silex. Ah, bien merde. J'en ai que 8, ça suffit. Je peux craft. Un seul, et puis. C'est loin. Je vais en faire un truc comme ça. En faire deux. Ça, je vais m'en faire une en plus. Voilà. Là, peut-être que vous avez pas compris tout ce que j'ai fait, mais je me suis craft une pioche en plus. Deux haches, deux torches, et puis. Ça fait bouffer le cul. Non mais attendez, c'est vrai, hein. Dis pas de conneries. Ah oui, j'ai un point de compétence à utiliser. On va le remettre dans le poids. Non, dans la résistance, voilà. Ok, donc déjà la lance en bois.
Qu'est-ce que je pourrais apprendre? Ça, et puis... Voilà. What the fuck? Elle s'est fait bouffer. Ah non, c'est sa couleur de peau d'origine. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, c'était un petit peu plus dégueulasse. Mais là, ils ont bien amélioré le jeu. C'est pour ça que je fais une vidéo dessus. On pourrait se poser où, tranquille? Parce que là, sachant qu'à droite, il y a une putain de rivière avec la mer, il va y avoir un truc qui va sortir. C'est une sorte de T-Rex avec des... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah voilà, ah bah il est là. Voilà, c'est ça que je vous parle. Ça vit dans l'eau, enfin c'est un T-Rex qui est dans l'eau. Et ça c'est hyper dangereux. Et s'il me voit, bah... Je suis mort. Donc on va peut-être faire demi-tour. Peut-être... Ah bah sur la colline. Oula, pardon. C'est ma chaise qui craque. Sur la colline, ce serait pas mal. Parce que on sera à côté. Ah bah j'ai de l'iron, c'est nickel. Par contre, je comprends pas, j'ai mis le jeu en français, mais ça me fait quand même la traduction de l'anglais. Saute. Voilà, merci. Ah, il y a un dodo, nickel pour la nourriture. Ah, ici, ça serait pas mal, hein, si on dégage. Ouais, ce serait pas mal. Oula, reste là. Ouais, ce serait pas mal ici. Alors, je peux casser ça, on va tout casser tout de suite. Comme ça sera sûr d'être bon. Ah voilà, là c'est mieux. Voilà. Oh putain. Ok. Ouf. Viens ici que je te bute. J'avais de la nourriture. Je vais te traîner. Allez, viens ici. Non, il est où? Je te traîne. Viens jusqu'à ici. C'est mon repas. Voilà, je le lâche. Ah, il m'a donné beaucoup de nourriture quand même, hein. Alors, son casse. Les pierres, justement, on va les garder pour faire un abri contre les T-Rex et tout. Ici, là, si on s'installe ici, derrière ce gros rocher, on sera pas mal. Ici, on met le feu de camp ici, on est tranquille. Tu peux dégager la zone. Voilà. J'ai placé le feu de camp. Tac. Placé ici. Accéder à l'inventaire. Ok, bah, il faut faire ça du coup. Ok. Compliqué. On va faire cuire toute la nourriture. La nourriture, elle est où? Merde. C'était quoi? C'était de la fraîche mise? Ah, fraîche poutrie. D'accord. Allez, on allume. Par contre, il faut pas que j'aille dessus, sinon je vais me faire cramer. Ok. Du coup, là, je pense que je suis un petit peu à l'abri pour l'instant. Il y aura personne. Ouais, il y aura personne ici. Ok, c'est nickel. Putain, j'ai oublié que j'avais une hache pour couper le bois depuis tout à l'heure. Alors, on va s'équiper ici. Non. La torche, on va s'équiper ici. Voilà. Voilà, c'est nickel. Et n'oubliez pas de me donner des idées aussi si vous en avez. Enfin, si vous savez des trucs que moi, que je sais pas, par exemple. Ce serait intéressant. Et ici, ce serait pas mal de mettre un mur, comme ça, il aura du mal à passer. Genre de mettre un mur ici jusqu'à ici. Comme ça, il pourra pas passer. Après, ici, il faudra qu'on entoure tout ça. Cette pierre-là, elle est dure. Puis l'autre, il est là-bas, là. Il est en train de s'amuser. Je vois pas exactement. Ah bah, j'ai un nouveau disponible. Ça a même pas fait la musique, là. Le poids. Voilà, on améliore le poids. C'est le plus intéressant. Il faut la fondation chaume. Oula, il faut la cadre de porte en chaume. Les murs en chaume. Et après on s'en fout de la porte. Parce qu'ils peuvent pas rentrer logiquement.
Ouais, du coup, il faut que je casse un petit peu plus de trucs, je crois. À moins que je puisse fabriquer. Ah, ici, c'est le bordel. Les arbres et tout, il faudrait que je nettoie ça tout de suite. Avant qu'il y ait des gros qui viennent. Ça va être très chiant après. Ouais, je pense que du bois j'en aurai assez avec 58. Oh merde! Moi je recrée une, ça ira plus vite. En fait, ce qui m'inquiète, c'est juste là-bas parce qu'il y a des gros arbres et du coup je peux pas voir ce qu'il y a derrière. Voilà, ça y est. Je vais crafter la fondation chaume. On va faire 5. Il me faut un cadran et ça. Il me faut, je crois que c'est du branchage ou soit ça va être, je sais pas. Il faut que je regarde juste après. Alors ça, la nourriture, tu vas me la passer. On va la mettre là. Voilà, et puis je vais faire cuire l'autre aussi. Voilà. Du coup, il y a ça qui me sert à rien. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors. Alors, ça prend un petit peu de temps de crafter quand même, hein, c'est chiant. Dans la vraie vie, en 1 heure, tu mets une fondation. En vrai, ça doit être ça. C'est là. Non. Tourne. Ok, c'est bon. Fondation chaume, je pourrais la placer où? Ici, ça serait pas mal. Le feu de camp qui est à côté. Tac. Ça serait bien que je puisse la placer ici. Voilà, voilà, merde. Du coup, là, je suis un petit peu mal passé. Parce que ici, c'est mal passé, du coup. Mais j'ai une idée pour ça. Wow. Ça y est, recommence. On va faire un truc en long. Ce sera déjà bien. Ok, je peux remplacer ici. Voilà, un petit truc en long, c'est pas mal. Pour le début. Oh, de toute façon, je peux faire qu'un truc en long, hein. Je peux pas faire mieux. Bon bah, il me reste encore une fondation. Le mur, on va faire l'entrée ici. Du coup, ça. Je peux pas crafter un cadre de fenêtre. Ah bah tiens, j'ai un niveau en plus. On va améliorer la vie. Voilà, comme ça c'est tranquille. Le toit. Pourquoi tu m'as pas pris le toit? Le toit et la porte. Voilà, et le sac de couchage, il ne me servira à rien. Ça, pourquoi pas? Comme ça nous fera une petite armure. On va placer ça là. Après, celui-là là. Celui-là là, ici, on va faire une porte ici. Ah non, ça va être gênant. Du coup, on va le faire ici. On va te déplacer. Ah bah non, j'ai obligé de l'ouvrir, bon, c'est pas grave. On va prendre tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, il faut encore un mur. Va faire la porte là. Voilà. Ici, il faudrait faire une rampe. Ah ouais, mais justement, je sais que je peux pas faire de rampe. Ah bah, j'ai une idée. Ça que j'ai là. Je peux l'utiliser comme rampe. Et pour crafter la porte, il me faut quoi? Ah bah, je peux la fabriquer. Pour craft les murs. Il me faut des branchages, ok.
Ah bah c'est nickel. Je peux monter tranquille comme ça. Alors juste à monter sur le côté. Boum, boum, boum. Ok, c'est juste un petit peu galère. Du coup, là, je mets la porte. Voilà. Je l'ai mis du mauvais côté, j'en suis sûr. Ah non, en fait, c'est des deux côtés pareil. Allez, on va chercher du branchage. Allez, casse-toi. Ah, ça y est, c'est cassé. Celui-là aussi, on va casser. On va faire fur et à mesure. Oh putain, descend du tout en bas. On va faire fur et à mesure la petite forêt là qui est à côté. On va la casser fur et à mesure et puis ça sera bon. Ça va nous faire un petit endroit de dégagement. Puis je pense par la suite, on va se mettre ici. Faut que je mange, faut que j'aille boire, je sais. Et puis l'énergie surtout. Ok, c'est bon, j'ai pas pris de dégâts. Tic 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 tic. Alors, on va boire. Voilà. Allez, je me casse parce que là-dedans il y a des piranhas. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Alors ça, hop là. Ok, bon, bah c'est nickel. On va peut-être s'arrêter là pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, oui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.